6 actuellement, je me suis emparé du premier étage, j'ai deux blessés. Durant deux jours, le régiment de marche du Tchad a déployé 300 personnels pour l'exercice Bangishaim. Prochainement engagé en Centrafrique pour l'opération Sangaris, le RMT a pu se préparer à différents types d'événements qu'il pourra rencontrer sur place. Une réalité adaptée à ses engagements opérationnels. La préparation opérationnelle armée de terre en plusieurs phases, donc d'abord individuelle, puis ensuite en centre d'entraînement. La prochaine étape pour nous étant le Sans-Zub, puis en centre d'entraînement de manière collective, nous permet d'atteindre un niveau collectif homogène, sur lequel en plus on valide une aptitude à partir en projection. Durant 36 heures, le RMT a été amené à réagir à différents scénarios. Contact avec la population, foule hostile, combat de haute intensité, fouille de bâtiments et extraction de ressortissants. Un exercice exigeant mais riche en enseignements pour les responsables de la manœuvre. L'exercice pour moi remplit pour l'instant les objectifs qu'on s'était donnés, qui sont des objectifs pédagogiques. Donc ça nous permet d'une part d'entraîner nos unités, c'est-à-dire de leur faire travailler les fondamentaux, mais aussi justement de mettre le doigt sur les imperfections, de manière à pouvoir les corriger avant le déploiement. Une montée en puissance qui se poursuivra par un exercice au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine de Sisson avant le départ en janvier 2016.